Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de toute la nutrition qu'il va y avoir autour de l'entraînement euh, et quand on est en période de perte de graisse parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Notamment, est-ce qu'on peut consommer des glucides à index glycémique élevé pendant la séance Est-ce qu'on doit recharger après pour pas être fatigué Comment en fait, organiser tout ça pour pallier à plusieurs problèmes Les trois problèmes en fait qui sont euh, majeurs, on va dire quand on est en période de perte de graisse, ça va être le manque d'énergie. Donc il va falloir avoir de l'énergie pour, euh, pour bien s'entraîner. Après, on va avoir le côté où on a du mal à perdre du gras. Donc du coup, comment optimiser sa nutrition euh, autour de l'entraînement et pendant l'entraînement pour maximiser la perte de graisse, pour encourager le plus la dépense calorique. Et ensuite, on va avoir euh, une, une nutrition plus adaptée pour la récupération, c'est-à-dire les personnes qui ont plus des problèmes de récupération, c'est-à-dire qu'entre deux séances, même si elles ne sont pas trop rapprochées, elles sentent qu'elles n'ont pas bien récupéré, ou quand elles font une séance lourde, admettons une séance de cuisse, une séance de pec, une séance de dos, qui demande des grosses ressources, on va dire comment faire pour mieux récupérer quand on est en sèche pour que le lendemain on ne soit pas complètement sur les rotules. Donc on va voir tout ça. Et déjà la première chose à savoir, dans cette introduction là, de, dans ce teaser, dans cet extrait de, de vidéo, vous avez la vidéo complète de toute façon sur le site, euh, la première chose à, à voir c'est qu'il n'y a pas de nutrition. Je ne peux pas vous dire... Ok, vous êtes en sèche, vous devez tous faire comme ça. Ce n'est pas possible parce qu'en fonction de, de, de vos besoins, en pas de vos besoins en termes de calories et tout, mais en, de vos besoins en termes de ressenti. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, si vous manquez d'énergie, si vous manquez de récupération, si vous, vous avez plutôt du mal à, à perdre du gras, ça ne sera pas la même chose. Donc dire il faut faire ça, ça, ça pour tout le monde quand vous êtes en sèche, c'est faux. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses, de programmes tout faits qui essayent de vous dire... Euh, qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, ce n'est pas le cas puisque si vous faites comme la personne euh, qui a du mal à avoir de l'énergie et que vous vous avez du mal à perdre du gras, eh ben, vous allez encore moins perdre du gras. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de choses à complètement éliminer, ni de choses à faire absolument mais je vais vous aider étape par étape dans ces trois quatre figures que j'ai répertoriées qui pour moi sont les plus euh, courant, c'est-à-dire qu'on est, on, on se sent tous plus ou moins dans une des trois catégories que j'ai dit quand on se met au régime, euh, plutôt le manque d'énergie, etc., le manque de, enfin, on a du mal à perdre ou alors on a du, du mal à récupérer. Donc, on va voir point par point. Je vais détailler en fait chaque cas et de vous dire un, un petit peu vers quel complément alimentaire vous tournez, vers quel type de nutrition vous tournez avant, pendant, après, pour que euh, en fait vous palliez à votre problème, pas au problème des autres, au vôtre et de manière à ce que votre sèche puisse durer, euh, on va dire entre guillemets, pas le plus longtemps possible, mais que vous n'ayez pas besoin de la stopper parce que vous êtes complètement sur les rotules ou quoi. Donc pour tous ceux qui sont pas inscrits ou qui n'ont pas de passe VIP, je vous recommande d'aller voir dans la description, de prendre votre passe VIP si cette vidéo vous intéresse. Comme vous le savez, cette vidéo, elle n'est pas seule. Si vous accédez, si vous prenez un passe VIP, vous avez celle-là, plus à peu près 300 autres vidéos formations pour le même prix. Et en plus de ça, tous les programmes. Bref, on s'arrête là. Euh, je suis honnête avec vous. Je ne je je vous renvoie pas vers un lien en vous faisant croire que c'est gratuit. C'est payant. Donc, euh, on démarre tout de suite pour les autres. Euh, la vidéo complète, si vous êtes déjà sur le site, ça continue de toute façon d'une traite.